Non, on a toujours le même état d'esprit. Pas un résultat. Deux matchs nuls, ce n'était pas facile. Ça aide le club. On nous enchaîne avec l'étoile du Kivu. Pour aller au beau fixe, nous espérons que nous prenions trois. Bon, on s'améliore du jour au jour. Vous verrez qu'on a fait quelques rencontres. On vient d'arriver là avec certes, nous avons lors de la première la deuxième journée. Je pense que c'était pas évident. S'en sortir déjà avec deux points. Donc, vous avez le club dans l'entendement avec le club qui est encore déjà un habitué. Donc, on y travaille là-dessus. Nous avons marqué deux buts, nous avons encaissé deux buts. Il travaille pour améliorer, s'améliorer sur le plan offensif, avoir un peu plus de réussite d'encaisser comme nous l'avons. En principe, il n'y aura pas de grands changements, en principe, sauf on se surprise déjà. Je pense que c'est pratiquement à 90. Je ne peux pas dire que ce sera une simple formalité, non. Chaque match a sa façon, a sa manière, a son rythme. Là, on a joué avec les aigles, on a joué avec l'aspect club, et là, c'est l'étoile de Kiev. Mais pas la même manière. Comme l'aspect club avait joué, les aigles avaient joué, l'étoile de Kiev aussi qui va jouer sa mère. Je sais que c'est un match très difficile pour nous. Un match vraiment très difficile. De toutes les façons, nous devons toujours gagner ces matchs. L'objectif, c'est de rester sur la ligne. Ouais. Pour aller vraiment, donc, on est vraiment motivé, le moral est vraiment très bien. Ouais, le message, c'est juste qu'ils viennent comme ils viennent toujours. Et puis, ils seront satisfaits. Ils seront satisfaits par la victoire. Ils viennent toujours, ils viennent nous motiver, ils viennent nous encourager. Mais vous pouvez dire que les championnats commencent demain pour le foot. Un signal à la première. Bon, non, ça commence pas demain. Pour nous, ça avait déjà commencé. Hein? C'est, on peut dire, notre première victoire.